Bonjour à tous. Donc c'est sur ces images d'outdoor, de Radine France en l'occurrence, pour ceux qui auront reconnu, qui se déroule dans les Pyrénées, Hautes-Alpes, voilà. Donc merci à tous, merci à toutes d'être là aujourd'hui parmi nous pour ce premier Outdoor Expert Forum. Cela fera bientôt 15 ans que nous avons lancé notre journal sur les sports outdoor. Voilà, c'est avec un regard, on propose tous les mois un regard transversal sur les sports de nature à la croisée de l'économie, des territoires et du monde associatif. Voilà, ce forum donc s'inscrit parfaitement dans cette démarche. Donc aujourd'hui, très rapidement, je voudrais remercier nos partenaires, AG2R La Mondiale, Savoie Hexapole, l'INSEXport, Système D, le CESNI. Et bien sûr, ce forum est un projet que nous avons de longue date et que nous n'aurions pas pu monter sans le soutien actif de la ville de Chambéry et de l'association Montanéa. Et nous sommes fiers, aujourd'hui, avec ce forum, d'ouvrir avec vous la 22e édition, déjà, du Festival international des métiers de la montagne, du FIM, qui va se dérouler pendant 4 jours. Et voilà, et je laisse la parole à Monsieur le maire, Michel Dantin, qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Bienvenue à Chambéry pour ceux qui viennent de loin à l'occasion de ce 22e festival des métiers de la montagne. Il y a quelques années, quand ce festival a été créé, les métiers de la montagne se résumaient dans la tête de beaucoup aux moniteurs de ski et ce qui allait avec, à l'agriculture et un peu à l'artisanat. Avec le colloque de ce matin, nous montrons comment la montagne a évolué, cette montagne dont on a dit longtemps qu'il fallait la partager, cette montagne qui est une source de richesse, richesse d'abord naturelle, qu'il faut savoir préserver, découvrir, qu'il faut faire découvrir, mais aussi richesse dans la mesure où elle procure de nouveaux emplois grâce à de nouvelles activités. Vous êtes là ce matin pour avancer dans la réflexion sur ces nouveautés, échanger entre vous, apprendre, comprendre et finalement progresser ensemble. Échanger. Échanger, ça me paraît être un terme extrêmement important, car si hier il fallait partager la montagne, aujourd'hui je pense qu'il faut trouver les complémentarités. Nous serons plus forts, nous serons plus accueillants, nous serons plus performants si nous sommes capables de créer des ponts, de créer des liens qui permettent de faire découvrir l'activité de l'autre à celui qui est venu pour en découvrir une seule ou qui est venu pour pratiquer un sport qui est devenu une passion. Je remercie donc celles et ceux qui sont à l'initiative de cette proposition de première conférence sur ce sujet. Cette initiative intervient au moment où, à quelques mètres d'ici, la ville de Chambéry vient de requalifier un bâtiment qui était la maison de la montagne et des parcs pour en faire l'espace de l'outdoor à Chambéry. Nous sommes au cœur d'un réseau merveilleux composé notamment de 2 parcs naturels régionaux et d'un parc national. Nous sommes le camp de base et nous l'exploitons pas assez. Avec l'ouverture du café vélo, avec l'ouverture des autres activités, y compris du bureau de l'Office du tourisme qui sera spécialisé sur les pratiques outdoor, nous voulons renforcer l'attractivité de la ville et faire de la ville de Chambéry ce qu'elle a toujours été, un point au service des territoires qui l'entourent. Ces territoires lui apportent beaucoup. La ville, sans le pays qui l'entoure, ne serait rien. C'est dans cette interférence, c'est là aussi dans cet échange que nous devons progresser, accueillir des publics nouveaux,
qui viennent parfois de très loin grâce à la beauté de nos sites. Vous êtes un certain nombre de professionnels de l'outdoor, vous avez une responsabilité colossale sur les épaules, c'est celle non seulement de faire partager une activité, c'est aussi celle de faire découvrir un territoire. Je vous remercie au nom de tous les élus pour le travail concret que vous faites sur le terrain tous les jours et je vous souhaite un bon travail ici au manège. Merci monsieur le maire. Donc voilà, alors cette journée d'un point de vue pratique va être animée par Pierre-Emmanuel Danger de Système D voilà qui va nous présenter les différents intervenants. Merci Emmanuel, bonjour à tous. Alors vous allez voir, je suis un peu le méchant de la journée puisque j'aurai la lourde responsabilité d'être le maître du temps et de faire en sorte que vous rentriez avant minuit chez vous ce soir parce qu'avec près d'une trentaine d'intervenants, les tables rondes risquent d'être riches. Aussi, tout de suite, en préambule un petit peu de ces échanges, nous avons le plaisir d'accueillir Michel Desbordes, directeur académique de l'INSEXport, qui va nous dévoiler les prochaines tendances et les développements à prévoir pour ce marché de l'outdoor. Mais juste avant de lui donner la parole, je vous rappelle que vous pouvez dès maintenant nous poser des questions à chacun des intervenants au travers de Twitter, simplement en ajoutant le hashtag OXP comme Outdoor Expert Forum et nous aurons le plaisir d'y répondre en fin de séance. Merci à tous et très bonne journée. Merci, bonjour à tous. On m'a confié la lourde tâche d'introduire la journée. Je voudrais d'abord remercier Emmanuel Graveau qui est à l'initiative, entre autres, de cette journée parce que je pense que c'est une excellente initiative. Donc, on est quelques personnes dans la salle à représenter la communauté universitaire ou celle un peu de la recherche. Donc, ceux qui sont censés penser alors que vous êtes pour la plupart censés agir et c'est extrêmement important. Donc, je vais essayer de dresser un petit peu un tableau avec quelques tendances qu'on le voit arriver dans le monde de ce qu'on appelle le sports marketing et que c'est quelques tendances, pardon, qui pourraient sans doute un petit peu émerger vers le monde de l'outdoor. Donc, d'un point de vue professionnel, je m'occupe aujourd'hui avec Pascal Aymar, que beaucoup d'entre vous connaissent, d'un projet qui s'appelle INSEXport, qui est relativement nouveau et qui est assez international et qui va concerner en grande partie les marques de l'outdoor. Alors, d'un point de vue de mon parcours, j'ai fait il y a quelques années une thèse, c'est comme ça que je suis rentré dans le management du sport, qui était sur les stratégies de diffusion de nouveaux matériaux dans l'industrie du sport. Et à l'époque, j'avais travaillé en proximité assez forte avec des marques comme Salomon, comme Look, comme Mavic, donc en grande partie dans la région. Et puis après, par les hasards de la vie professionnelle, je m'en suis un petit peu éloigné, puis je suis allé plus vers là où il y avait de l'argent, mais c'est pas pour ça que j'y suis allé, c'est tout simplement parce qu'on m'a confié la responsabilité à l'époque d'un diplôme qui concernait plutôt le marketing du sport. Donc le marketing du sport, c'est plutôt ce que vous avez tendance à voir en télévision, c'est la partie un petit peu médiatique. Mais il y a des liens entre cette partie médiatique et évidemment la pratique du sport. Donc ça fait pas mal d'années maintenant, j'ai eu le plaisir de croiser certains anciens étudiants que j'ai eu même dans un autre siècle, ce qui me rajeunit pas. Donc ça fait environ une vingtaine d'années que je suis dans ce milieu avec une spécialité plutôt organisation d'événements, sponsoring, marketing du sport au sens large. Alors de quoi on parle quand on parle de marketing du sport? Déjà, on va parler de quelque chose qui est intégré et qui n'est pas si simple à définir. Le sport, pour certains, c'est de la santé. Pour d'autres, c'est de l'éducation. Pour d'autres, c'est de l'intégration. On nous a un peu survendu, par exemple, la France Black Blanc Beurre de 98. Pour d'autres, c'est de la compétition. Pour d'autres, c'est du loisir. Et même les termes compétition-loisir sont pas si simples que ça à définir. Quelqu'un qui court le marathon en 3 heures, souvent n'est pas licencié, et à ce titre-là est catégorisé en sportif loisir, mais on est bien d'accord que pour courir 3 heures au marathon, en général, il va falloir qu'il s'entraîne un petit peu et qu'il ait une dimension diététique et un certain nombre de choses à suivre. Mais évidemment, du côté droit, ce qu'on voit beaucoup, c'est la partie show, la partie communication, et évidemment aussi la partie
tourisme sportif. Hein, il y a ici beaucoup d'acteurs dans la salle. On est ici à Chambéry. Les Alpes, le sud de la France, la Corse, etc. Quantité de destinations en France qui sont très concernées par le tourisme sportif. Donc le sport, c'est beaucoup plus compliqué à comprendre que juste une dimension monolithique, et c'est ce qui fait aussi que c'est intéressant à analyser. Alors ce qu'il faut noter toujours, c'est que dans le sport, on est dans le service. Certes, il y a beaucoup de gens parmi vous qui représentent des équipementiers, mais on est dans un service. Un service, je m'excuse, il y a quelques diapos qui sont en anglais, mais après ça va être tout en français. Un service, ça se touche pas, c'est instantané, on peut pas le stocker. La qualité peut être variable, cette qualité va dépendre en grande partie de la relation humaine qu'on va avoir avec l'interlocuteur. C'est vrai dans l'hôtellerie, c'est vrai dans beaucoup, beaucoup d'éléments, et c'est vrai également dans le sport. Et c'est ce qui est plus important, c'est ce qui est en bas, c'est co-créer avec votre client. Que vous soyez spectateur d'un événement sportif ou participant, par exemple, de l'UTMB, c'est bien parce qu'il y a des gens qui sont là, qui sont vos consommateurs, vos clients, bah que l'événement existe. L'événement n'existe pas parce qu'il y a 10 stars qui courent l'UTMB ou le marathon de New York. Il existe parce qu'il y a 3000 ou 50 000, selon les cas, personnes qui vont courir. Donc cette notion de co-création est extrêmement importante parce qu'elle induit une relation assez spéciale qui est relativement unique, qu'on soit dans le spectacle sportif ou dans la pratique sportive. Concrètement, c'est celui qui paye, qui souffre et qui va produire la prestation. C'est quand même une relation assez particulière qu'on ne voit pas beaucoup par ailleurs. Alors, le marketing du sport, il y a quelques années, ça n'existait pas trop en France. Ça existait un petit peu aux États-Unis, bien évidemment, puisqu'ils ont été confrontés beaucoup plus tôt que nous au monde du sport business. Et en 99, j'ai eu la chance, quand j'étais à Strasbourg à l'époque, d'être entouré de Fabien Hall et de Gary Tribou, qui est deux collègues que j'estime beaucoup. Et j'ai eu la chance, j'étais jeune à l'époque, de pouvoir faire un livre avec eux qui s'est appelé « Marketing du sport », qui a été le premier dans le domaine. Et j'ai eu d'autant plus de chance que, comme je m'appelais Desbordes, des Hall et Tribou, il y avait mon nom en premier. Donc, c'était totalement injuste, mais bon, c'est comme ça. Et même beaucoup de gens, après, disaient que c'était mon livre, alors que c'était absolument pas ça. Et qu'encore une fois, j'avais eu la chance de pouvoir être entouré de ces deux collègues. Toujours est-il que c'est un livre qui, aujourd'hui, paraît complètement dépassé. Mais il a quasiment 20 ans, c'est assez logique, parce que c'est vraiment ultra classique. Premier chapitre, c'est la demande, et puis les deux autres chapitres, c'est les offreurs de services et les offreurs de biens, les deux autres parties, pardon. Donc aujourd'hui, on raisonnerait plus comme ça, le marketing du sport. Depuis, il a fait plein d'enfants, donc voilà les quelques enfants qui sont nés dans les années 2000, et si j'avais voulu remplir la slide jusqu'en 2016, j'aurais pas eu la place, tellement il y a d'ouvrages aujourd'hui. Aujourd'hui, vous voulez un ouvrage de sponsoring sportif, vous en aurez deux ou trois. Vous voulez un ouvrage sur la distribution d'articles de sport, ça existe. Le management des clubs, ça existe. Donc, il y a quantité de choses qui existent, qui sont de plus en plus spécialisées. Alors, malheureusement, il y a relativement peu de choses sur le monde des équipementiers, de la distribution. Et c'est un manque qu'on pourrait combler parce que ça représente quand même un très gros vivier à la fois d'emploi pour les étudiants et en même temps une très grosse partie du business. La partie que l'on voit n'est pas forcément la partie la plus importante. C'est d'ailleurs une de nos problématiques à travers INSEXport, c'est d'embrasser l'ensemble des acteurs de la filière. Donc ça, c'est le marketing du sport tel qu'il est vu aux États-Unis. Donc il suffit de voir, ça c'est le livre de référence de Mullin, Hardy et Sutton. Donc quand vous regardez la couverture, il n'y a pas besoin de comprendre l'anglais pour savoir qu'on va s'intéresser au spectacle sportif. Ça représente pas vraiment la pratique sportive, ça représente le Super Bowl, ça représente des grands événements, des grands stades, des sponsors. Ils n'ont aucun mal à mettre Coca-Cola sur la couverture d'un livre. On ne verrait pas trop ça chez nous. Si vous comparez les deux couvertures, là, c'est petit, mais c'est quand même très nettement plus austère et ça ne représente pas du tout la même chose. Donc, c'est logique qu'aux États-Unis, c'est, je ne vais pas vous apprendre grand-chose, c'est le premier marché du sport business, mais c'est également le premier marché de la pratique sportive. Et ils sont très, très, très centrés sur le spectacle sportif. Alors, pourquoi s'intéresser au marketing du sport ? Pour justifier notre raison d'exister, nous les profs en management du sport, on essaye toujours d'expliquer que c'est très spécifique et que si vous faites du marketing chez Danone ou chez Sanofi, ça n'a absolument rien à voir avec le marketing du sport. Alors c'est pas juste une posture idéologique pour se persuader qu'on a raison d'exister, c'est aussi parce que c'est un peu vrai. Alors j'essaie de vous convaincre que c'est vrai. La première raison, c'est la dimension éminemment symbolique de la consommation sportive et en particulier par le biais de la technologie.
avoir un VTT éminemment technologique, une planche à voile, un kite, etc., ça va vous aider à vous positionner vis-à-vis d'autres pratiquants. Donc avoir l'air sportif depuis les années 99-2000, c'est extrêmement positif. Intéressé par le sport, ça permet d'alimenter des conversations. Avant, quand vous étiez un cadre de haut niveau, il y a 20 ans, on ne parlait pas de football, c'était vulgaire. Vous aviez l'air d'être un ovni. Lire l'équipe, c'est positif. J'ai un petit clin d'œil, j'ai vu Nathalie Caron tout à l'heure de Sport 2000. Je me souviens d'elle qui lisait parfois l'équipe à la fac et à l'époque, c'était quand même quelque chose de bizarre. Mais aujourd'hui, lire l'équipe, c'est quand même le journal le plus lu chez les cadres. Donc ça veut dire que c'est quand même extrêmement valorisant. D'autre part, le sponsoring est devenu généralisé auprès des marques et on constate que toutes les marques sont là-dessus. Donc par exemple, si on prend le Surfwear, quel est le lien entre Kelly Slater, Mick Fanning ou Stephanie Gilmore et les ventes dans les magasins? Est-ce que ce lien est naturel? Est-ce que ce lien est automatique? C'est pas si simple que ça. Il y a évidemment des techniques pour arriver à l'optimiser. Il y a des choses qui s'appellent l'activation. Il y a toute une série de choses complémentaires. Évidemment, les médias sociaux jouent un rôle extrêmement important. Mais ce lien n'est pas forcément automatique. Il y a des entreprises qui aujourd'hui ont quitté le sponsoring sportif. Comme il y a des entreprises. Si vous regardez la liste des entreprises du CAC 40, il y a des gens qui n'en font pas. Dans quelques années, vous verrez qu'il y a des entreprises qui seront plus sur les réseaux sociaux. Tout simplement parce qu'elles auront compris que ça ne servait à rien dans leur activité. Alors le sport, c'est quand même quelque chose d'assez ambivalent, parce que ça nous passionne tous, on en voit beaucoup à la télévision, c'est énorme, c'est universel, c'est très important en apparence, mais c'est finalement, au niveau économique, relativement faible. Ce qui va le rendre important, c'est tout l'entourage, c'est notamment le tourisme sportif, c'est le poids de la publicité dans les médias quand on a une retransmission sportive. Mais le sport, stricto sensu, c'est pas si important que ça. Par contre, vous avez beaucoup, beaucoup de petites entreprises, des PME notamment, et dans l'outdoor, ces entreprises peuvent être très connues. Donc il y a une forme d'ambivalence, des acteurs en apparence très connus, mais qui finalement ont des chiffres d'affaires de 100 millions, 200 millions d'euros, voire beaucoup moins, ce qui fait d'eux des nains économiques au niveau international. Alors ça a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que ça a l'air facile de pouvoir de communiquer puisque vous êtes déjà assez connu. L'inconvénient, c'est que vous n'avez pas tant de moyens que ça. Et le deuxième inconvénient, c'est qu'on va vous demander beaucoup. On va notamment être assez exigeant par rapport aux marques de sport sur des notions de responsabilité sociale, de développement durable, peut-être plus que pour d'autres marques parce qu'en apparence, on aura l'impression de parler à des mastodontes. Nike est régulièrement embêté sur des aspects responsabilité sociale. Je les excuse pas et je suis pas en train de vous dire qu'ils sont exemplaires. Sauf qu'on s'attaque beaucoup à eux puisque de par leur médiatisation, ça va être extrêmement porteur. Si vous regardez par exemple les films de Michael Moore, vous avez une très bonne illustration de ça. Le poids symbolique en conclusion du sport est bien supérieur à son poids économique. Alors, deuxième spécificité, la spécificité du service sportif, et j'ai pris un exemple, je pense, assez parlant pour la plupart d'entre vous, qui est l'UTMB. Il y a quatre caractéristiques que les chercheurs ont assez bien analysées depuis pas mal d'années. Premièrement, une dimension émotionnelle. Faire l'UTMB et si possible le finir, il y a une dimension émotionnelle, passer la ligne d'arrivée avec ses enfants, sa femme, son conjoint, etc. Arriver à le finir, c'est pas rien. La dimension symbolique, faire l'UTMB après avoir réalisé un certain nombre d'autres épreuves, c'est passer un palier. Il y a une dimension environnementale. On aurait pu prendre des dizaines de photos avec le massif du Mont Blanc. Ça reste toujours sublime. Et le point le plus important que j'ai déjà souligné, c'est évidemment cette partie participation active du consommateur. On n'est pas dans une situation passive où je paye ce qu'on appelle le marketing transactionnel. À partir du moment où je paye, on va m'amener quelque chose. Vous allez au restaurant, vous payez, on vous amène à manger normalement. On vous demande pas d'aller faire les courses, de faire la vaisselle, de balayer. A priori, vous êtes dans une situation plus passive. Là, il suffit pas de payer pour produire la prestation. Une fois que vous avez payé, il va falloir un peu vous engager et votre corps et votre esprit vont être mis à rude épreuve. Donc ça, c'est extrêmement important. Quatrième point qui vous intéresse pour la plupart d'entre vous, c'est la dimension technologique qu'on peut considérer comme étant exacerbée dans les produits sportifs. Il y a aujourd'hui des progrès technologiques qui viennent quasiment directement du monde du sport.
Prenez quelque chose comme la GoPro, ça sert à autre chose que pour filmer du sport, mais ça reste quand même une utilisation éminemment sportive. Il y a des développements de nouveaux matériaux qui, historiquement, peuvent venir de la Formule 1, si tant est que la Formule 1 est un sport, mais ça, c'est un autre débat. Dans le monde du VTT, vous avez un certain nombre de contraintes extrêmement importantes. Vous cherchez de la légèreté, mais en même temps de la rigidité, des choses qui sont parfois antinomiques. Sur le textile, il y a énormément de progrès dans le textile tout court qui viennent du textile sportif, avec notamment les idées de respirabilité, le Gore-Tex qui est aujourd'hui utilisé dans beaucoup de vêtements de ville, la rigidité pour un vélo, l'imperméabilité évidemment avec un encombrement minimal pour une veste, l'amortissement des chocs pour des chaussures. Et en matière de sécurité, on sait que c'est un très gros marché, on va parler aujourd'hui de ski de randonnée, l'ergonomie d'un sac à dos et en même temps la dimension sécurité plus l'électronique que vous aurez dans un appareil de recherche pour victimes d'avalanche. Vous voyez que tout ça, ça conduit à un cocktail de technologies avec des contraintes de poids, d'encombrement, de volume qui sont extrêmement importantes. Aujourd'hui, ces produits, ils portent aussi le développement des pratiques. Le raid ou le trail se serait sans doute pas développé s'il n'y avait pas eu ces produits. Ou alors après, est-ce que ces produits se sont développés parce qu'il y avait le trail? Ça, c'est une autre question. C'est une question qui est intéressante d'ailleurs à se poser. Alors, ça vous concerne relativement peu quand vous êtes dans l'outdoor, malheureusement, mais la télévision dans le marketing sportif, elle reste au centre du système. C'est la courroie de transmission entre des consommateurs qui ont des besoins ou des désirs, qui ont envie de regarder des choses à la télévision, que on va devoir acheter en payant des droits quand on est une chaîne de télévision, et la relation aux marques va se faire par le biais du sponsoring et de la publicité. Alors, si on se revoyait dans 4-5 ans, j'aurais peut-être remplacé télévision par Internet. Malgré tout, même si vous regardez quelque chose sur YouTube, en général, ça vient quand même au départ d'un canal qui est la télévision, que ce soit beIN, que ce soit Canal+, qu'on est dans le sport classique, peut-être un petit peu moins quand on est dans le monde des sports outdoor. Néanmoins, il y a quand même toujours ce rôle central. Au milieu de tout ça, il y a l'intérêt et le volume de la pratique, mais avec des cas extrêmement différents, voire qui peuvent être considérés comme injustes. Le rugby, par exemple, est très diffusé, mais finalement relativement peu pratiqué en nombre de personnes. Alors que inversement, le running, s'il y a 10 millions de gens qui courent, pour autant, on voit très très peu de marathons diffusés ou de courses de trail diffusées. Alors après, est-ce que ça a un intérêt, est-ce que ça passionnerait les gens, c'est une autre question. Néanmoins, il y a quand même des cas extrêmement différents qui peuvent être considérés comme relativement injustes. Alors il y a deux types de marketing du sport qui ont été analysés depuis longtemps par les chercheurs. Premièrement, il y a ce qu'on appelle véritablement le marketing du sport. Ça, c'est ce qui est sur la gauche de la diapositive. Donc là, on est dans les acteurs véritablement légitimes. C'est soit les organisateurs d'événements, par exemple un organisateur de raid, soit les équipementiers sportifs, quelqu'un qui va produire des chaussures de sport. Donc ces gens-là, ils sont là parce qu'ils sont véritablement dans la pratique et ils sont légitimes. Et à droite, vous avez des gens un peu illégitimes, c'est les intrus, hein. C'est ceux qui ont besoin de se justifier, ceux qui ont besoin d'expliquer pourquoi ils sont là, c'est ceux qui font du marketing par le sport. Donc c'est des gens que souvent on peut taxer d'opportunistes et qui en même temps sont totalement nécessaires pour le développement du sport. Donc c'est des gens qui font du marketing par le sport, par exemple EDF, sponsor d'un événement comme la Pyramenta d'été, Schneider Electric, partenaire du Marathon de Paris. On voit bien que ces gens-là, au départ, n'ont pas de lien avec le sport. Il va falloir qu'ils expliquent pourquoi ils sont là. Comme BNP Paribas n'a a priori aucun intérêt à être sur un tournoi de tennis, et pourtant ils le sont depuis plus de 40 ans. L'intérêt, il doit certainement exister pour eux, mais il va falloir nous l'expliquer, on va avoir besoin de pédagogie. Alors quelques tendances, parce que c'est extrêmement rapide, c'est un peu une gageure que de donner, résumer 20 ans dans 20 minutes, mais je vais tenter d'y arriver. Donc on parle parfois aujourd'hui de néo-marketing du sport, ça fait savant. Et genre avant c'était différent, mais maintenant c'est beaucoup mieux. Au-delà d'être savant, il y a quand même toute une série d'éléments qui font qu'aujourd'hui on fait du sport et du marketing du sport un petit peu autrement. Donc je vous ai un peu listé là, je vais en développer deux, trois. Alors premièrement, l'expérience de consommation. La notion de marketing expérientiel, elle existe depuis pas mal d'années. Comme j'ai dit, on n'est pas dans une situation passive, on est dans une situation de co-création, on produit quelque chose avec un prestataire. Donc quand on est supporter de Liverpool et qu'on va au stade, on va produire un événement sportif en collaboration
avec le club, puisque l'ambiance, le « you will never walk alone » que vous attendez, il ne va pas sortir tout seul, il va falloir qu'il y ait 40 000 personnes qui le chantent, et si possible correctement. Alors aujourd'hui, c'est un peu triché parce qu'on le sonorise, hein. Ça c'est un grand classique dans les événements sportifs pour faire croire qu'il y a une ambiance de dingue. Bon, mais il y a quand même un petit peu une ambiance qui vient des consommateurs. Si vous allez à Dortmund pour les fans de foot, ça sera pareil. En même temps, quand vous participez aux Templiers, en bas, c'est un peu la même chose. Si cet événement existe, c'est parce qu'il y a tous ces gens-là qui sont là, qui ont payé, qui se sont entraînés, qui vont un petit peu souffrir. Pour qu'ils aient moins l'air de souffrir, on les fait partir de nuit pour qu'ils se rendent pas trop compte, peut-être, et on leur met des lumières, mais ça va être dur quand même. Et en tout cas, c'est eux qui vont produire l'événement. S'il n'y a pas ces milliers de personnes, c'est pas un événement. Regardez, par exemple, la différence fondamentale entre un marathon de championnat du monde ou un marathon de Jeux Olympiques, c'est d'un triste à mourir. Vous avez 100 mecs super forts qui courent dans les rues de Paris ou d'ailleurs avec personne. Et puis, le marathon de New York, c'est des millions de gens dans la rue et 50 ou 60 000 gens qui courent. C'est pas du tout la même dimension. Et le vainqueur va faire à peu près le même temps. On voit bien que c'est pas le même événement. Quand vous allez dans un magasin, c'est pareil. Aujourd'hui, c'est devenu une expérience de consommation. Il y a toute une littérature aujourd'hui aux États-Unis là-dessus. Les malls, ces fameux centres commerciaux sont des lieux quasiment aussi importants que peuvent l'être les cathédrales. Sauf s'il n'y a pas de cathédrale aux États-Unis, donc ça marche pas comme exemple. Mais on pourrait aller au Louvre, à Euro Disney ou alors dans un centre commercial, même combat. On va vivre une expérience. Alors évidemment, elles se hiérarchisent peut-être pas de la même façon. Maintenant, si vous représentez une marque de sport, vous êtes bien content qu'ils passent un certain nombre de temps là-dedans. Le CRM, c'est un petit peu le mot magique que les marketeurs ont à la bouche, qu'on confond souvent avec la notion de big data, surtout en ce moment. Le CRM, c'est pas les bases de données. Le CRM, c'est l'utilisation optimale des bases de données et ce qu'on va en faire. Donc récupérer des emails, récupérer un certain nombre de caractéristiques de consommation des gens via Google en général, c'est extrêmement important. Et c'est important dans la billetterie sportive, hein, quand le Paris Saint-Germain sait si dans sa base de données, il y a des gens nés en Bretagne, ben ça peut être intéressant de leur proposer le match de Lorient ou de Rennes qui fait pas rêver avec une petite promotion. Et pour des marques de sport, savoir si un tel ou un tel fréquente les Arcs ou Chamonix, c'est également une donnée extrêmement importante. Alors quand vous faites du CRM bien fait, vous aboutissez parfois à ce qu'on appelle le one-to-one. Donc vous parlez à chaque consommateur de manière individuelle jusqu'à lui proposer un produit totalement individualisé. C'est le concept de Nike ID depuis pas mal d'années. Donc vous avez ici le Nike Town de Londres. On va aboutir à quelque chose qui est intéressant et qui en même temps est limité. C'est intéressant de pouvoir parler de manière individuelle à quelqu'un. Après, si tout le monde faisait ça, ça n'aurait pas trop d'intérêt. Premièrement, parce que les marges sont sans doute inférieures sur ces produits, parce que quand on les produit individuellement, c'est problématique. Mais surtout parce que si vous regardez l'ensemble des modèles qui sont là, on voit pas vraiment l'unité. Donc si chacun venait à avoir sa Clio ou sa Mégane rose à pois vert, c'est très sympa, mais ça correspond peut-être pas à ce que Renault veut faire. Ben là, c'est un petit peu la même chose. C'est bien de parler individuellement aux gens, mais si on est dans l'année Brésil, que ce soit Nike qui impose les gammes, ça fait pas de mal non plus pour la marque. Alors le développement durable, c'est pareil, c'est quelque chose qui s'est imposé naturellement aux fabricants d'articles de sport, comme à d'autres, hein. Quand vous êtes dans l'énergie, vous appelez Areva, vous avez quand même plutôt intérêt à montrer que vous n'êtes pas si sale qu'on pourrait le penser. Et ben, quand vous êtes Adidas, c'est un peu pareil. Alors pour que les gens comprennent bien, Adidas il y a quelques années a même fait référence à ses racines allemandes avec Adidas Grün, c'est ici le magasin de Toronto. C'est assez étonnant parce qu'une marque dans le monde du sport et de la mode fait rarement référence à ses racines allemandes. Hein. Dans la mode, on préfère être français ou italien. Dans le monde de l'automobile, là, être allemand, là, c'est mieux vu en général. Là, évidemment, la référence, c'est la référence à l'écologie, les Allemands étant des grands pionniers de l'écologie. Alors, est-ce que c'est vrai, pas vrai? Est-ce qu'on est sincère, pas sincère? Là, ça, c'est une autre question. On parle souvent de greenwashing. Et des gens bien, mal intentionnés peuvent évidemment essayer de surfer sur ces éléments-là sans faire de mauvais jeu de mots. Néanmoins, c'est une contrainte qu'on doit s'imposer. Et prenez une marque comme Patagonia, on peut considérer que l'engagement depuis, je pense, une trentaine d'années maintenant est quelque chose probablement de sincère, puisque quand c'est fait avant que ce soit à la mode, en général, on peut considérer qu'il y a sincérité. Alors le yield management, je vais passer vite, ça concerne pas trop les marques de l'outdoor.
sauf si vous arrivez à me démontrer que sur un festival de films de montagne à Arèche, vous allez vendre 30 000 billets. Là, effectivement, on sera dans le yield management, mais a priori, on n'est pas trop là-dedans. Donc, les acteurs qui font de la billetterie sportive ont parfois des invendus, comme les hôtels. La SNCF ou Air France ont des invendus et à ce titre-là, ils vont avoir des stratégies de variation du prix qu'on connaît tous, qui fait qu'on est énervé parce que le billet qu'on avait vu à 80 euros est passé à 140 parce que le logiciel a dit qu'il allait faire beau ce week-end à la Clusaz et que donc le billet d'Annecy va prendre 60 euros. Bon, vous êtes dégoûté, mais il y a des gens derrière un ordinateur qui sont très contents. Ça s'appelle le yield management. Donc on a la même chose dans la billetterie sportive. Si vendredi, le match du Racing 92 en rugby n'est pas plein, il y a 5000 billets à vendre, il va falloir les écouler parce qu'il y a une notion de péremption. Le principe du service, c'est que le service il se périme, contrairement à un produit. Autant un produit comme des chaussures va pouvoir se mettre dans un outlet ou alors être écoulé sur un site type vente privée. Autant des billets qui auraient dû être vendus hier soir vont pas pouvoir être vendus un ou deux jours après, ça ne fonctionnera pas. Alors la notion de géomarketing, ça c'est quelque chose d'important pour à la fois la localisation d'un stade, vous avez par exemple ici la localisation du Stade de France, mais c'est également important pour des magasins. Vous utilisez aujourd'hui dans cette notion de géomarketing, c'est un petit peu le croisement entre le marketing et Google, la géographie, un magasin situé à un endroit dans une zone de chalandise optimale avec du trafic, avec des données sociologiques qui vont être croisées, qui habite là-dedans, qui est susceptible de venir, etc. C'est évidemment très important. Les stratégies d'implantation sont aujourd'hui, heureusement, en grande partie fondées là-dessus pour savoir si l'emplacement qu'on a choisi est le meilleur. Alors, ce qui peut servir et qui peut être très intéressant pour des marques qui ont relativement peu de moyens, c'est d'essayer un peu de contourner ce qui se fait de manière classique. Alors, je ne vais pas faire l'apologie du trafic de drogue ou de choses comme ça. Ici, c'est pas ça le propos. Mais le street marketing ou ce qu'on appelle la guérilla marketing, qu'est-ce que c'est que le street marketing? C'est d'utiliser des supports, comme son nom l'indique, d'abord dans la rue, en gros d'aller voir les gens dans la rue et de communiquer. Par exemple, une station de ski qui va acheter de l'espace dans un métro en transformant un banc en télésiège et avec des skis qui sont placés sur le sol. On a vraiment l'impression que la personne est au ski. Les Suisses qui ont eu une idée assez excellente il y a quelques années dans Paris, ils sont venus avec des voitures avec de la fausse neige début décembre et le slogan « c'est la neige est arrivée ». Ils ont tourné pendant 2-3 jours entiers dans Paris, ça coûte quasiment rien. Vous avez payé 5 personnes qui sont dans les voitures, vous distribuez des flyers. Les gens qui voient cette neige, ils sont impactés. Ah ouais, c'est vrai, effectivement, la neige est arrivée. Et en termes de droit, c'est ridicule, c'est nul, puisqu'on peut pas empêcher des gens de circuler dans Paris. Donc le coût est quasi nul pour un impact quand même extrêmement important. Habiller des canons à neige en accord avec une station, ça peut aussi avoir un impact important. Ou faire la promotion, par exemple, de la Mini sur un télésiège, ça peut également être impactant. Sachant que dans ce cadre-là, finalement, vous reprenez une vieille recette. Il faut toujours se souvenir des origines, qui est tout simplement la caravane du Tour de France. Qu'est-ce que c'est que la caravane du Tour de France? C'est la plus belle opération de street marketing de l'histoire, et ceci y compris dans les campagnes en France et pas seulement en ville, puisque vous allez à la rencontre de 10-15 millions de gens plutôt que ce soit les gens qui viennent à votre rencontre. Alors quand c'est un peu dans l'illégalité, on appelle ça la guérilla marketing. Donc par exemple Adidas qui projette « La victoire est en nous », « Merci Zidane », Adidas et les Bleus en 98, un truc bricolé avec un pauvre vidéoprojecteur en face de l'Arc de Triomphe, mais qui a eu un impact assez retentissant. Ça c'est interdit, vous utilisez un monument historique à des fins commerciales. Bon, dans l'euphorie de 98, je vous cache pas qu'on a oublié de leur envoyer une amende. On n'a pas vraiment, on s'était pas trop intéressé à ça. On était plus préoccupé par la Garden Party du 14 juillet que par ça. Dans un autre registre, Nike qui utilise la Statue de la Liberté de Paris, pas celle de New York, évidemment, c'est la petite, au moment de la première victoire des Spurs en 2003, si je me souviens bien, on met ça à 4h du matin, puisque le match vient de se terminer, et le matin, les gens découvrent ça. On a bien évidemment pris la précaution de prévenir
des agences photos pour qu'elles viennent immortaliser le moment. Et puis après, c'est l'époque où on vous envoyait des photos par mail. Vous vous souvenez de cette époque? C'était pas partagé dans la seconde sur les réseaux sociaux. C'était une autre époque. Néanmoins, la photo a été partagée plein de fois. Et surtout, ça a donné lieu à des reportages au journal de 20 heures parce qu'il a fallu l'intervention des pompiers pour enlever le maillot qui faisait 5 ou 6 mètres de long. Et ça, c'est quand même un sujet de fond très important pour le 20 heures que d'avoir un maillot à découper. C'est vrai que par les temps qui courent, on est content d'apprendre cette nouvelle. Néanmoins, impact maximal, pour quelques milliers d'euros, vous faites un impact maximal. Alors l'embouche marketing, ça, c'est un peu la version contrefaçon du marketing. Vous qui êtes fabricant, pour certains, vous devez de temps en temps être confronté en Chine ou ailleurs à des contrefaçons plus ou moins grossières, parfois très bien faites de vos produits, et ça vous embête parce qu'ils considèrent que ce que vous faites, c'est beaucoup trop cher et que c'est pas si bien fait que ça. Non, je devrais pas dire ça à cette tribune, c'est mal. Donc néanmoins, la contrefaçon existe. Et ben, dans le monde du marketing du sport, elle existe aussi. Elle s'appelle l'embouche marketing. Ça, c'est quand vous faites croire que vous êtes sponsor mais que vous l'êtes pas. Donc par exemple, ça c'est énorme, bizarrement, c'est aussi une marque chinoise, Li-Ning. Donc si vous parlez bien anglais, vous savez que Adidas a pour slogan « Impossible is nothing », rien n'est impossible. Et sans aucun problème, Li-Ning s'affiche avec « Anything is possible », tout est possible ou rien n'est impossible, double négation égale affirmation, moins plus moins égale plus. Donc en fait, ça veut dire la même chose. Et comme ils ne sont pas à l'abri d'une innovation, ils se disent bon, on va faire ça pendant les Jeux de Pékin devant les panneaux officiels. Donc vous avez à droite le panneau officiel des Jeux de Pékin et puis le magasin dans la rue principale de Pékin, il n'y a pas de problème. Ça c'est la campagne officielle et puis Li-Ning il va pousser le vice ou alors l'outrecuidance jusqu'à allumer. Bon, ça c'est, on lui avait demandé d'allumer la flamme, c'est pas lui qui a demandé. Il aurait dû le faire avec quoi? Bah, soit avec des chaussures Adidas puisqu'Adidas était fournisseur officiel des JO, soit avec des chaussures neutres, puisque en théorie, l'enceinte olympique doit être neutre de toute marque, et il l'a fait avec ses propres chaussures. Et pour boucler la boucle, vous avez ici le logo de Li-Ning, qui ressemble quand même un peu à quelque chose d'un peu connu dans le monde du marketing du sport, qui est le logo de Nike. Donc vous prenez le logo de Nike, vous le changez un peu, prenez le slogan d'Adidas, vous emballez tout ça, vous apparaissez dans l'enceinte olympique. Donc ça, c'est merveilleux. Bien évidemment, comme les Chinois représentent 1,4 milliard de gens, on n'a pas dit grand-chose, mais c'était néanmoins quand même extrêmement borderline. Je vais quasiment finir, sinon je vais me faire exécuter, avec l'importance du digital. Voilà effectivement quelque chose aussi qui est intéressant pour les petites marques, parce que certes, c'est pas gratuit, hein, faut pas avoir ce mythe, tout est gratuit dans le digital. Quand vous regardez The Last Game de Nike, 88 millions de vues, ou The Switch avec 58 millions de vues, mais encore, si vous prenez l'ensemble de toutes les vues, on arrive largement à plus que ça. Là, on est quand même aussi dans la co-construction de quelque chose. Vous faites une publicité de 5 minutes qui n'a aucune chance d'être diffusée en télévision de par son format, mais c'est pas ce que vous cherchez. Et finalement, vous arrivez à avoir un impact avec des gens beaucoup plus importants parce que ces gens sont en lien avec vous de manière forte et émotionnelle et vont se la diffuser. Pour arriver à 80, 100 millions de vues en quelques semaines, on peut pas faire autrement. Donc là, il y a des stratégies digitales évidemment à mener. Et quand vous regardez, il y a quelques années, Nike, football, basket, running, etc. et la même chose chez Adidas, dans le top 10 des marques les plus visibles sur Twitter et sur Facebook, on avait 8 fois Nike et 2 fois Adidas il y a 2-3 ans. Ben, c'est pas un hasard, c'est qu'effectivement, il y a des stratégies en amont qui sont construites. Donc, en conclusion, et j'en aurai fini, de manière très rapide, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'aujourd'hui, le marketing du sport est à un point charnière. Ça fait à peu près une vingtaine d'années qu'on s'intéresse à ça et que vous, les fabricants et les organisateurs d'événements, bah, vous y intéressez aussi. Hein, on s'y intéresse de la même façon, si ce n'est qu'on n'est pas forcément dans le même temps. On ne doit pas négliger la dimension service du sport, toujours avoir cette notion d'expérience en tête, cette notion de co-création avec le client. On n'est pas face, c'est pas un fournisseur qui fournit quelque chose. Hein. Une chaussure de sport, c'est pas un produit comme les autres. On a des idées qu'on peut reprendre du sports marketing, où il y a plus d'argent, plus de moyens, notamment dans le football, et donc il y a des choses qui se font avant. Dans le volleyball, il se passe pas grand-chose. Beaucoup de choses passent dans le football. Bah oui, c'est normal, puisque c'est ceux qui ont le plus de moyens qui développent le plus de choses.
comme dans le monde des fabricants, Nike est probablement plus à la pointe que d'autres petites PME. Et bien évidemment, la notion de digital qu'on ne peut pas occulter et qui a complètement modifié la donne, ça c'est une évidence, vous le savez. Voilà, merci beaucoup. J'espère pas avoir été trop long. Merci. Merci beaucoup, Michel. Effectivement, 20 ans d'expérience en 30 minutes, c'est déjà un beau record. Alors, il est un sport qui s'est énormément développé, qui s'est énormément appuyé sur le marketing, sur l'innovation, qui a quitté la confidentialité des combes enneigées printanières pour s'afficher au grand jour et pour aller s'exprimer jusque sur au cœur des stations de ski. Je parle bien sûr du ski de rando. Et pour ça, je vais demander à Christophe Révéré, qui est consultant en développement et en diversification touristique chez Versant Sud, de nous rejoindre sur scène. Merci, bonjour à tous. Aujourd'hui, en ouverture des tables rondes, je vous propose de commencer sur le ski de randonnée. Je vais appeler les différents intervenants qui sont prévus pour venir me rejoindre sur la scène. Donc les 5 personnes qui sont ici, s'il vous plaît. Serge Riveil, que je vois là-haut pour DSF.